Mo. L'association a été fondée il y a 10 ans. Nous avons commencé notre action qui est dédiée aux jeunes atteints de mucoviscidose avec le soutien de nombreux sportifs et sportives de la montagne comme Florence et bien d'autres. Et 10 ans plus tard, l'association est soutenue par une large équipe médicale et elle est épaulée aussi par d'autres sportifs, d'autres sports comme Gladys qui nous a rejoint et qui est une des super marraines de l'association depuis un peu plus d'un an maintenant. Et Raph aussi qui est parrain, on va dire. Voilà. L'association donc soutient les jeunes qui ont la mucoviscidose. C'est une maladie génétique que vous connaissez peut-être. C'est la maladie génétique grave la plus fréquente de l'enfance en France. Et elle touche 6000 malades dans notre pays, 70000 malades en France. C'est une maladie qui atteint principalement les poumons et le système digestif. Et depuis 10 ans, avec l'aide de toute notre équipe, on essaye de soutenir les enfants, notamment à travers la pratique du sport et la rencontre de champions, parce que faire du sport pour eux, c'est un traitement naturel qui leur permet d'aller mieux, de combattre leur maladie, mais aussi tout simplement de vivre comme les autres et de s'éclater. C'est un honneur pour moi et pour nous d'être présents ce soir. Et je remercie chaleureusement Croc Events d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité. Gladys est une immense championne. Vous savez qu'elle a décroché beaucoup de beaux trophées. Elle a été parmi l'élite européenne. Elle était leader de l'élite européenne en 2008. C'est une immense championne. Et cette championne, elle est encore plus grande du fait qu'elle consacre beaucoup de son temps et de son énergie, une partie de son image, à donner quelque chose aux autres et en l'occurrence à aider des gens qui sont démunis, qui sont dans la peine devant la maladie. C'est pour ça que ce parrainage, sa présence au sein de l'association Étoile des Neiges est une chose merveilleuse. Je suis ravi, et je dirais qu'au niveau du comité de Rome Ardèche, nous sommes hyper heureux d'avoir accueilli cette grande championne qui est Gladys Nocera, numéro 1 européenne en 2008 et très bien classée en 2009, et ne doutons pas qu'en 2010 elle va faire encore de très belles performances. Donc bravo à toute l'organisation qui a su la motiver pour qu'elle vienne ici. J'ai également beaucoup apprécié qu'elle s'investisse en tant que joueuse professionnelle avec d'autres championnes, les skieuses Florence et Marianne, pour une association Étoile des Neiges qui vient en aide aux enfants atteints d'une grave maladie qui est la mucoviscidose. Je crois que cette belle soirée que vous avez organisée hier a été un beau succès aussi pour cette association et je trouve tout à fait remarquable que ces championnes s'investissent pour des causes de ce type-là. Voilà, et puis le golf de Valence-Saint-Didier, bien, nous avons un grand plaisir effectivement à jouer aujourd'hui. Le temps était beau, un peu de vent pour nous rafraîchir, mais globalement on a passé une excellente journée. L'accueil est tout à fait adorable et le golf de Valence-Saint-Didier est toujours chaleureux dans son accueil également. Donc une belle réussite et félicitations aussi à la société Croc Events. Je crois que c'est une des premières manifestations que cette jeune société organise. Je peux vous dire qu'aujourd'hui elle part sur de très bonnes dispositions, que ça continue et que ça s'embellisse. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont investies pour que cet événement ait lieu.
Donc il y a tous les sponsors qui nous ont aidés, il y a vous, Croc Event, qui effectivement nous a aidés à construire la journée, et puis tous les gens qui sont venus passer un super moment hier soir avec un dîner et une vente aux enchères qui s'est très bien passée. Et aujourd'hui sur le parcours, on a fait 18 trous. Le but de cette journée, c'était de passer un bon moment avec tout ce monde, toutes ces personnes d'ici, et de récolter des fonds pour l'association Étoile des Neiges, qui est basée à Annecy, donc qui est pas loin d'ici, et pour laquelle je suis marraine. Cette association aide les jeunes à vaincre contre la mucoviscidose. Donc voilà, c'est une association que j'ai connue il y a 2-3 ans, et aujourd'hui je m'investis comme je peux, donc j'ai fait ça. Et voilà, et je crois qu'on a tous passé une super journée. Très bonne soirée hier soir. Donc un grand merci à tout le monde, que ce soit les sponsors, les personnes qui sont venues juste pour passer un bon moment, les personnes qui ont joué le jeu à la vente aux enchères, parce que ouais, merci, c'était super ouais, aussi. Ouais. Et voilà, toutes les personnes qui sont autour, Raph bien sûr, mon cadet, qui a organisé tout ça. Voilà, c'était ouais. Vraiment, moi j'ai passé un super moment et je vais repartir le cœur bien réchauffé.